Madame Marie-Josée Mengi Azali, Madame Oyo, amie d'Achature, a cité qui comme étant collaboratrice Naye, Oyo Ye, Azaro Tinda, Tina Badubai, Oyo Ajira Basom Ebele, Yaye, Oyo Pe, Akipara Makamunaye, Mingi Sokiye, Aza, soit en déplacement, soit à Kogiko, Salawanate. Pour comprendre bien, le fait que tu as une affaire pénale, tu peux toujours rappeler soit témoin, soit prévenu dans le bousso ya bar. Tu rappeler dans le sens que tu as une affaire pénale, tu as une affaire pénale, tu as une affaire pénale, tu as une affaire pénale. Il y a un autre monde qui est le cas de Kanyi Mama. Il est fort possible, il est fort possible que le lobby. Tomona ba rappelé ami da chature na bar ba benga pe maman Marie José Mengi na bar pour la confrontation oyo tomona ki dernièrement au basala ki entre ba témoin na ba prévenu basala ki wana justement bazo tuna biso mais ombre lili biso tozo mona te sika nini caméra ibi et sika nini bazo incriminé ye po preuve mon côté zomona. Et bien, dès qu'on a la routine d'Abino Bokendotala, un petit peu, qu'est-ce que dit la loi pénale, Yambo Cannabiso, en matière de détournement. Je répète encore. Mbote, 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 bandeko ya Kuli Media TV. Losako, mbote, bisikanyo sorozalina wabota na bino, la bandako na bino. Toza ya bosepela makasi na nenge toye kukuna na susu lelo na bino pote. Tope sa bino quelques points de vue. E sengo na biso ezali ke na mokoloyo, mikoloyo euti koleka. Tout ce qui va message, il y a bah abonné na biso ebele, bah internaute na biso. To retenir message, il y a Mutumoko. Mutumoko a qu'on se reconnaître na kombo ya Michel. Dekonara Michel, Mutuna na yo, oyo, otuna ki biso, pe demande oyo senga ki biso to sala. Oye bisikou l'Immédiat TV à travers chaîne naye. Après ça, message au nom de l'autorité en Boka, Natina était le Cambodja passeport biométrique na biso. Passeport biométrique qui a ban en Boka, na ba oyo ba zanango ba ebite. Passeport on est en validité il y a 5 ans. Mais il y a un problème qui se pose au ban en Boka bazo senga bazo pesa entre autres questions, voilà, interpellation. Topé demande à monsieur Michel à l'obité passeport wana to meka ko ebisa bakonzi ya mboka bakonzi ya RDC ba meka ko tala lisusu likambo ya passeport na biso biométrique na tina te eza na validité kaka ya 5 ans or eza rochaba na mboka ebele na mobulu surtout ba oyo baza na libanda ya mboka c'est-à-dire ba oyo ba vanda ka libanda ya mboka pe baza ba congolais bazali na problème makasi bazo buté na problème ya renouvellement ya passeport or passeport wana apparemment eza renouvelable te ba salaka ya ngonde soki sili ba refaire yango eza kaka na validité ya 5 ans donc demande na ezali que mboka to ba autorité ya mboka to pe ministère ya affaires étrangères et revoir likambo wana pour te battre validité dans l'outil 10 ans pour n'avoir mis colo et où y'a pas l'amiqué le cola va changer à bilongi tant au bazar au cola et ça en a validité à 5 ans
voilà un peu de monde naïe pe appétit c'était na likambo était bazar okuta na problème ya makasi na compte ya ko renouveler to ko resali sa passeport à chaque fois parce que batumisu bazali soki azui passeport à voyager à ressort avait parfois 5 ans pour ta zone sous na mboka or tant on linga kozonga na mboka aza obligé à sali sa sous passeport li sous. Et puis, à l'obipé, il y a un passeport. Apparemment, le passeport na biso, motuya nango eza likolo makasi. Ce qui, affaire étrangère, topé bakonzi ya mboka bakoki ko revoir prix ya passeport à la baisse pote bana mboka bakoka kozala na accès facile ya kosalisa mokanda wana o eza important na kati ya mabota ya bana mboka Congo. Voilà. Message na yo monsieur Michel Eleki yango to retena ki pour na lelo. Sujet na biso ya mibale ezali sujet ya makambo binono so bomoni Eleki na République démocratique du Congo lobby na ville ya Kinshasa. Pona mobulumbutumbu te salami autour ya marché, autour ya agglomération ya Gombe. Côté avenue du commerce na sima sima wana place Zanda Munene babuki pakangi ezalaki. Mon boulot est salamé. Mon boulot est salami poté, natinate plutôt, banambo kaba yoki que ba repousser l'issue sous confinement na 15 jours, et pesi bango, milinga milinga la moutou pe pasi, parce que déjà ba tango nyonso ba lekisi ya ba confinement ou ba koui ko salate, ba toazoe ba soussoute si kanini, ba bwa kamitou poté ba lia, poté ba lesa ba mabota na bango, ba commerce eza ko kangama, ba makam nyonso eza na calme. Donc, il y a un salaté. Il y a un temps où le gouverneur Ngobila a pessimité le confinement. Il a prorogé. Et puis, il y a un temps où il non, non, non. Il faut que tu te remets là. Il y a un temps où il y a un boulot salami. Mais il y a un temps où il déplore. Il y a un boulot parce que c'est vrai que la manifestation, il y a un temps qui demande, il y a un temps qui est à l'ordre du jour, il y a un temps qui répertorie. Mais. To déplorer quand même le fait que ba mapinga na biso pona ko réprimander bato ba bimisinde masasi ya solo parce qu'il y a eu des morts bato ba kufi lisusu lobi pona makambo wana eza na makambo ko ya mike oyo ba koka ko régler d'une autre manière. C'était na biso betami wana po na cadre ya sécurité ya bana mboka ndenge ye moko général Kasongo lobaki azana pona ko sécuriser ba ndeko na biso bana mboka na tinate soki likambo ya li to solo la kanane soki moya ko solo ezate bokoki ko réprimander batu e ba manière eze belé sans que moto azoka sans que moto a kufa moto a nzambe o kishasa. Hey Allah, put on my coffee. Hey Allah, massage. Condoléances à ma famille et au père de Bandeko na bango na manifestation wana. De la part il y a chaîne Nabiso Kouli Media TV. Voilà. Lelo émission Nabiso aux Amoulaïte parce que toi kaka la troisième sujet Nabiso Koib Sabinote. Toza le 10 juin 2020. Le 10 juin 2020 la kisi te lobby le 11 juin 2020. Toza na audience 5e audience il y a procès au Batunyo sur Pesi Combo procès caméré. Lobby et Kozala, procès Mouya Makasipe à moto.
natina nini lobby ezali ba plaidoirie ekobanda sûrement na procureur général. Procureur général azali wana pote aya ko charger ba prévenu au nyoso bazali boso na ye, c'est-à-dire Mouima, Vital Kamere, Jamal, bango misato wana aroya ko pesa ya ye plaidoirie pe a charger bango na ba inculpation nyoso oyo ye a monique ezala mituna bango. Azaye mon côté ministère public, c'est-à-dire ba avocat ou bazo représenter l'État, ba oyo ba ko funda bango pe baza wana pona ko charger lisusu makasi bato oyo baza en face na bango comme ba prévenu, c'est-à-dire les trois ou na auto cité les bino Vital Kamere, Jamal na Mouima. Après bango nyoso wana mibale nde toya ko mona sikoyo ba intervention ya ba avocat ya chaque parti, ba avocat ya défense ba koya siko bango koluka ko défendre ya bango ba client na bango pote bana mboka nyoso ba yebate nani aza na problème, nani aza na problème te lelo yo. Projection na biso na niveau ya ya audience ezo ya lobby ezanini. Problème ezan ezan tozo ko appréhender, tozo ko luka to réfléchir peto koma nesika ou bako koma lobby. Au cours ya ba jour nyoso eleki bande ko nanga bino mo bozo mona. Batu ba accès, batu oyo baza kuna na sima ya makambo eza ko salama. Ba accès recherche na bango plus et pas à Madame Marie-José Mengi. Madame Marie-José Mengi azali Madame Oyo, ami d'Achature à Sita qui comme étant collaboratrice naïe, Oyo Ye, Azaro Tinda, Tina ba Dubaï, Oyo Gira Basom Ebele, Yaye, Oyo Pe, Akipara Makamunaye, Mingi Soki Ye, Aza, soit en déplacement, soit à Kokiko, Salawana Te. Madame Wana, il se fait que Bazakoye ba Esika Vandarate, Bazakoye ba Esika ba Kokiko Zoyete. Bazaki na adresse na ye ya Lemba, bake na Lemba, mututa yebiye kuna. Ye mwoko madame Amida Chature alobi ke non, mutu wana, madame wana azana limete na 10e rue. Me a yebi nenda kote. Apparemment, bake nda gipe na 10e rue. Tozolo ba toujours na conditionnel, ke bake nda na 10e rue, ba lukiye, ba moni ye pete. To ye ko mouna ye lobby, a ye ko se présente ye mwoko devant justice. La cour d'appel, la grande, il y a grande instance, il y a Matete na limité, la 4e rue. Accompagné d'un avocat, na ye moko obino tout boyebi, parmi ba avocat, na ye moko boyebi, ou ba bengi na kombo ya Francis Kalou. Yende. Notre client a répondu librement parce qu'elle a appris à travers la presse qu'il y avait un mandat de recherche contre elle et s'est présentée librement. Là, nous sommes en train de faire certains devoirs que le parquet a requis. Donc, on fait une descente et puis on verra la suite. Elle est en liberté ? Non. Elle est en détention pour l'instant. Dispersez-vous. Yende Mutasala qui déclaration devant ma journaliste en disant que voilà, cliente n'a pas soyez de plein gré, yé moko, aïe vous se présenter parce que yoki ki bazako lukaye, basali a vie de recherche moko, na kombo nae. Yango aïe komi la kisa, na misu yaba, zuzi, pote, ba yoka, yé pa yé balikamunini bazako lukelaye. Bavandi sa kie pendant 6 heures. Pendant 6 heures, ba benga kie pe ba yoka kie, ba pose ba question ba zaki a repose. Ba zaki n'a plutôt à repose. Elle a répondu aux questions et à l'issue, il y a 6 heures, il y a
discussion na bango to interrogatoire plutôt ya bango ya bazuzina madame Marie José Mengi ba juger que non il faut batailler la détention provisoire donc ba fongoli li map moko obiso na kin to benga map mise en détention provisoire donc azana makala azabo zelayaye tango ya kosamba. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, le 4 juin, juge a ébissé que, le 11 juin, ils ont des plaidoiries. Mais le fait que, tu as affaire pénale, vous comprenez bien, le fait que tu as affaire pénale, tu as toujours rappelé, soit témoin, soit prévenu na liboso ya ba ko rappeler na ndenge ni ko rappeler na sens que aya li susu bazana ba mituna ya kotuna ye yango tozo mona te lokola ba kangi mama oyo il est fort possible que lobby tomona ba rappeler ami da chature na ba ba benga pe mama Marie José Mengi na ba pour la confrontation au Tomonaki dernièrement au Basalaki entre les témoins, n'a pas prévenu Basalaki Wana. Le risque maintenant c'est quoi? Le risque est que Madame José Mengi, Marie José Mengi, Aloba, Kengai, Naebi Madame Amida Chaturte, Topengai, Nasala Nae et Lokomokote, Topengai, Nala Rosuka Kaka. Na sala ganaye mena suka ganda telle ou telle chose la banque coûte na koma raté toni donc ba question est belé parce que ceux qui ba juge ba jugea qui que ba question ba poser que pendant 6 heures ba zo qui ba réponse la bango ya ya bien ya solo akoka ko zala incarcéré té akoka ko zala retenu té pour na prison makala ngaza mutu moko ayaka ko se présenter et puis azo ma epa naye t'as remarqué na ma au cours ya développement ya procès batu nyoso oyo bazo mona suspect bazo kanga bango na makala mbala moko bazo tcha bango na makala mbala moko bandikolanga na ebite soki ndenge ba misu ba okanisa ke jugement yo aussi la peut-être l'obito après demain non makambo eza nanu ebele. Makamboza nanu ebele autour ya parce que batembele bazo miloba to batinde la biso pe la question voilà justement bazo tuna biso mais ombre lili biso tozo mona te sika nini caméra yibi et sika nini bazo incriminé ye po preuve mo côté zo mona et bandeko na la routine da bino bokendo tala un petit peu qu'est-ce que dit la loi pénale ya mboka na biso en matière ya détournement. Je répète encore, Bandekolara. Nakotinda binobo kendeko tanga. Que prévoit la loi congolaise en matière ya détournement nambo kanabiso. Parce que il faut pas confondre un vol, c'est-à-dire koyiba, nako détourné. Koyiba ezamutoyo bakangi la main dans les sacs, par exemple, ou bien aibi espèce. Par contre, détournement, ils ont bafon moko boué prévu pour na bosala eloko moko boué, mais bosali na ngwe loko anate to bosali ndambu fon mususu monanite to eke ko sala pe eloko mususu. Yango ba biko détourner. Le mot le dit, hein? Détourner, pas voler, mais détourner. Or, soto landi yemoko Vital Kamere na éviter ce cas sala ona nanko to bipe à Bossani, mais je pense que na niveau ya lo baraya maye lo azanango a yebi quand même définition à mot détourné à sur lo baraya na devant justice que bo prouvenga et lo ronizo la xake na yebi to na détourné mais qu'au détourné la xika gâte que il faut à un espèce nanda kuna yo qu'au détourné la xite que faut ba kanga la katia kar na yo moutouka na yo ba kangimbo mona kati non détourné justement dire yango va bien yango détournement intellectuel to vol moko intellectuel bobiso to benga linga la to baloli yango lokwa linga la vol intellectuel mais a détournement intellectuel dans le sens où biloko nyoso
et bimaki tout mbongo nyoso et bimaki parce que bimaki peut bien qui n'a pas beaucoup à monter ça va transaction de banque à banque. La preuve en est que mbongo et bimina banque na biso ya ya Congo ba pesi ba ordre et que na banque ya BCC souki BCC souki BCECO plutôt BCECO et de BCECO et keti na Rao Bank oyo eloko ba yeba yi compte wana ta Rao Bank et de Rao Bank ba blo monsieur Bumi. Mutumoro ta simi mbongo na espèce et ça va ba transaction bancaire. Donc c'est un petit peu virtuel, bah, comme moi, il y a un peu de détournement. Donc voilà un peu l'explication. Donc ce qui vraiment, dès qu'on a vu ça, Vital Kamerhe aza franc, à comprendre et là on va reprocher, c'est-à-dire ça détournement, ils ont volé. Voilà un petit peu près, bah, dès qu'on a moi contour, tu n'as de ça, moi monter dans mon coussin pour aller là, pour n'avoir pas été lobby. Tous en a rendez-vous beaucoup très important. Tous ceux qui s'attendent à ça, n'ayez pas mis sous le bateau, non, ils ont passe temps, ils ont au lexabiso ngonga, tout ça, non, non, c'est très important pour la future yambo kanabiso. Pour la voyez bas, n'ayez nini à partir yalelo, mbo kanabiso que yuko avancer, n'ayez nini, to gros même la makambo étant mis justice, n'ayez nini bateau mis sous pour qu'on puisse avoir mis sous payer le son. To yebi na biso ke biso bazawana ti bavani na bakiti na bandako na ngomba yebi ke ndako na vandeli oyo nga na tonga ezaki mbongo na ngati ezaki mbongo na yibaki tango na bango pe koya me na minute oyo bazwa deja conscience bayeba deja ke eloko moko boye eza ko se préparer contre bango eloko moko boye zoya peut-être prochainement contre bango po ba kosamba bango nyoso wana. Ça c'est sûr, je pense que c'est sûr. Ce qui est vraiment un peu comme ça, c'est que les sanctions sont sanctionnées, il y a une loi dans le franchement, il y a une loi sur le monde. Voilà, chers amis. Je vais vous dire que c'est Michel Douda. Il y a eu un Maman Jenny Bombenga, Olanda Nga, Bokebi, Olanda Rabiso, Nakuli Media, Nakokebi, Mbote Nayo, Mbote Nayo, Esiko Sali, Nayo Nabana Nyoso. Mbote Nanga Yokende Peli Susuna, Honorable Flavien Masunda, Namosika Esiko Sali, Mbote Nayo. Mbote Nanga Moussousu Peko Kende Paya Maman Nono, Comtesse Dino Radinene Vita. Et si vous allez, maman Germaine, vite à Yopé, à Yoyangouana, y compris docteur Chamba, grâce. Mais si vous allez dans mon sika, na maman Samantha, et le mona bana, va bisou na bino, bino nyoso. Voilà, na souki bongo lelo, pour na ngai, to monani, na mikolo ezoya. Merci, pe, bozamala, mouna ma botana bino. A bientôt.